Bonjour tout le monde, c'est Kazuki et aujourd'hui on se retrouve pour une très courte vidéo où je vais parler, vous avez sûrement entendu parler de cette annonce PC classique mini, etc. Donc on surfe sur cette mode, sauf que là, depuis un petit moment, on voit que les gens commencent un peu à clasher ces versions mini. Donc j'avais envie à moi de donner mon avis. Comme vous savez, moi sur ma chaîne, l'émulation, c'est net. Quand je vous présente des jeux, c'est sur les versions originales, même du rétro. Mais après, je vous ai fait aussi des vidéos ou des tutos, par exemple pour la PC Engine, maintenant ça coûte très cher. Je vous ai montré des tutos d'Otake, etc. L'émulation, je ne suis pas contre. Je suis même pour parce que c'est la préservation du patrimoine vidéoludique. Après, tout ce qui est ces versions mini. Or certes, tout le monde copie, il va y avoir la Mega Drive, il y a une Neo Geo, chacun essaye d'y mettre son petit grain de sel. Moi, je suis pas pour. Parce qu'il faut savoir qu'à la base, c'est juste un Raspberry dedans et basta, quoi. Mais après, de là à les critiquer, j'ai envie de dire, s'il y a des cons qui l'achètent, hein, quand c'est Nintendo, hein, tout le monde lèche le cul et... Et il l'achète. Quand c'est les autres, Tonama, là, ça clash un peu plus. Moi, j'ai envie de dire, hein, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Personnellement, c'est vrai que quand on voit cette photo, quoi, c'est pompé de Nintendo, on est d'accord, mais on vit dans une société où c'est quasiment tous que des baltringues. Et quand quelque chose marche, tout le monde copie. C'est le phénomène de mode, ça existe depuis toujours. Et voilà, on va pas refaire le monde, hein. J'ai envie de dire, ouais, un mini PC. Pas besoin d'aller investir 100 $ dans ça, quoi, dans un Raspberry, quoi. Mais plein, même à la limite, déjà, aller acheter un Raspberry pour faire ça. J'en vois pas trop d'utilité. Bon, c'est pas trop cher, mais il y a tellement moyen de se le faire soi-même. Donc le Raspberry, on peut s'acheter les composants, se faire une coque perso, voilà, il y a moyen de custom. Donc voilà, donc les commentaires qui vont tracher ce phénomène de mode, j'ai envie de vous dire, ces mêmes personnes, sur YouTube, vous pompez tous entre vous, les journalistes, vous faites pareil, voilà, on est dans une société où on est juste bon à... Voilà, société de merde, quoi. Il faut pas s'étonner qu'après on ait des produits comme ça. C'est des produits qui sont adressés, on sait très bien qu'ils sont adressés ces produits. Hein. Sinon, on ne le ferait pas. Hein. C'est juste un phénomène de mode et voilà, vous allez en bouffer pendant je sais pas combien de temps. Il faut faire avec. Hein. Et encore, moi j'ai envie de vous dire, le mini PC, je ne l'achèterai pas. Mais pour le coup, que ça puisse faire un peu de publicité aux jeux PC des années 80-90, où l'identité PC était très forte, où faut pas se leurrer hein, maintenant. Hein. Toutes les consoles, c'est des PC, hein, l'intérieur de votre PS4 Xbox One, c'est du PC de laptop moyenne gamme, hein, donc faut arrêter de... Les consoles, faut qu'ils arrêtent un peu de se toucher la nouille, hein. Ils jouent avec des PC low cost, hein. Mais voilà, que la nouvelle génération puisse pas découvrir grâce à un achetant cette merde, encore cette merde, j'ai envie de dire, si les mecs qui sont derrière, c'est leur trip, ils ont vu la NES Mini, ils se sont dit, putain, moi, à cette époque, Nintendo, je m'en battais les couilles, c'était pour les gamins teubés. Moi, je jouais déjà sur PC, j'étais un ado, etc. Why not, quoi? Why not qu'ils soient nostalgiques des bons Windows de l'époque, où on joue encore sur disquette? Pourquoi pas? De là, se faire une box comme ça, pff, ouais, c'est des marketeurs. Il y a des mecs qui sont payés toute la journée pour faire ça, donc à rien foutre. Donc j'ai envie de dire, pourquoi pas? Mais après ça, aller les tracher parce qu'ils surfent sur un phénomène de mode, je veux pas dire. On surfe tous sur un phénomène de mode. Notre société est une société de moutons. YouTube en est le parfait exemple. Elle le fait, tout le monde le fait. Même moi, je le fais, là. Je suis en train de faire... je suis en train de mettre mon grain de sel dans cette histoire. Donc voilà. Aller les critiquer pour critiquer, ouais. J'ai envie de dire, non, eux, pour le coup, j'ai pas trop envie de leur taper dessus. Nintendo, ouais. Parce que Nintendo, ils ont une histoire, ils sont solides.
Et puis ils font partie de l'histoire du jeu vidéo, donc j'aime bien leur taper dessus quand même. Vous savez que je suis un fanboy d'APC Engine. Voilà, chacun fait sa petite histoire, hein, mais bon. C'est clair qu'aller investir dans ces conneries, s'il le faut, j'ai envie de vous dire, Nintendo l'a fait, ça a marché, les autres le font, voilà. Mais pour le coup, comme je disais, retrouver. Si ça peut faire découvrir cette annonce, que certains gamins curieux aillent voir les jeux PC des années 80, 90, dans pas longtemps, c'est vraiment le hasard. Hein. J'étais en train justement de me dire pourquoi je ferais pas là, une vidéo sur le matos là que je viens de me bricoler pour justement faire du rétro gaming sur PC. Parce que c'est bien joli un Raspberry, mais un Raspberry branché sur une télé, il n'y a pas les sensations d'un PC de l'époque, quoi. Ou d'un PC tout court. Même si, bon, avec les deux prises USB, même sur un Raspberry, on peut brancher un clavier souris, hein. Mais, ouais, la nostalgie. Mais j'ai envie de dire, en même temps, c'est normal, hein. Cette génération qui a connu ça, comme la NES, etc. Maintenant, on est des trentenaires, quarantenaires, on a des thunes, on est la cible des marketeux. Voilà, il faut nous traire, quoi. On est une société où on passe notre temps, il faut qu'on consomme, on est des vaches, et puis voilà, quoi. Mais j'ai envie de dire, ouais, si les gens étaient moins cons, à la limite, hein, on n'en serait peut-être pas là. Enfin, bref, j'ai envie de vous dire, le rétro gaming, c'est la base. Si vous êtes un gamer, peu importe l'année du jeu, tant que vous jouez, que vous prenez du plaisir, c'est la base. J'ai envie de vous dire, il y a des jeux PC des années 80, 90, voire même 2000, encore où il y avait l'entité qui était vraiment séparée entre les consoles, c'est-à-dire avant la génération PS3, 360. Il y a des jeux cultes. Il y a eu des Baldur's, il y a eu des Donjons Siege, il y a eu de. Il y en a tellement de jeux sur PC, les premiers Elder Scrolls, il y a tellement de jeux, les LucasArts, etc. Des jeux vraiment cultes, un univers vraiment qui était que du PC ou du micro-ordinateur japonais, peut-être un jour je vous en parlerai aussi. Enfin, bref, il y a moyen de faire du rétro gaming. Ça me passait par ces Raspberry Pi, quoi, mais bon. J'ai envie de vous dire, si toute cette merde peut permettre à des gens qui, par hasard, auraient envie de se refaire un bon Blade Runner sur PC, ou etc., qui va chercher l'émulateur, qui se l'installe et qui rejoue et qui a les sensations de l'époque, hein, moi je dis j'approuve. Allez, voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Ne mettez pas de j'aime, ne mettez pas de commentaires, il n'y a rien à dire là-dessus, de toute façon. On va pas refaire l'histoire, hein. Monde de merde, comme il y a l'autre. わがまま